tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de vlog créatif. J'avais envie de remplacer mon petit June qui était plutôt automnal par un June bien pétant, esprit hippie, bohème, folk, tout ce que j'aime. Le patron du June est à retrouver dans mon livre « Mes idées cadeaux à coudre » aux éditions Créa Passion que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies, mais également sur mon site internet. Vous retrouverez la vidéo bonus complète pour le montage de June ici en haut. Et allez hop, on y va. Un petit peu de créativité, ça va nous faire du bien. C'est parti! Voilà ce que j'envisage pour mon June. Donc j'ai trouvé cette jolie broderie sur le site de Urban Thread. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Accrochez-vous à vos slips parce qu'il y en a pour plus de 80 minutes de broderie. Donc c'est pour ça qu'on m'a posé la question de savoir si je vendais le coupon éventuellement sur mon site, mais c'est pas possible puisque c'est une broderie qui dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà, donc j'ai pas mis de d'entoilage, donc voilà, j'ai pas mis de stabilisateur, pardon, plutôt. Je l'ai brodé directement sur la suédine et je suis très très contente de ce résultat. Au niveau du choix des couleurs, je regarde toujours en fonction des tissus, vous voyez. J'essaye toujours de recapter les couleurs de mes tissus, comme ça, ça fait une belle harmonie. Donc j'ai prévu ça, comme vous pouvez le voir. Donc avant tout, je vais vous montrer June, c'est ce modèle-ci. Donc je vous remets la vidéo ici en haut. Mais ce modèle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un automne-hiver qu'un printemps-été. Donc j'avais envie de rafraîchir un peu mon petit sac. Et June, j'adore le format, c'est vraiment un format qui me correspond. Donc j'avais envie de faire une version colorée, une version folk, bohème. Je retourne à mes premières amours. Donc voilà, j'ai, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, j'ai hacké volontairement mon propre patron, vous voyez, par rapport à la pièce principale. J'ai vraiment rajouté pas mal de centimètres ici sur le haut. Parce que, bah déjà de une, la broderie, je voulais qu'elle soit quand même assez grande. Je voulais aussi réaliser des petits empiècements sur le bas. Vous voyez, il me restait encore ce liège tout coloré. Je voulais le mettre ici et je voulais mettre ce fermoir papillon, donc de chez la Mercerie des Créateurs. Parce que forcément, je trouvais que ça suivait très bien avec l'ambiance printemps-été. Donc je me suis permis de hacker et de rajouter des centimètres parce que je ne vais pas mettre la bande ici comme dans le modèle qui est prévu dans le livre. Je ne vais pas mettre cette bande-ci, comme ça, ça me fera gagner déjà des centimètres ici. Et comme vous voyez, mon précédent fermoir, je devais laisser quand même de l'espace pour mettre la partie femelle du fermoir. Là, ça sera directement, j'ai pas besoin de prévoir de l'espace, vous voyez. Donc je peux me permettre en fait de rajouter des centimètres et de gagner ici quelques centimètres pour que mon rabat descende un petit peu plus bas. Ce sera pas gênant, en même temps ça lui donnera un autre style, ça fera vraiment une besace avec un rabat qui recouvre tout. Donc j'avais envie de tenter. On verra bien à la fin de la vidéo si ça aura porté ses fruits. Pardon, les bafouilles sont de retour. Donc voilà, donc dans la vidéo ici, je ne vais pas vous montrer tout le processus de cousette. C'est vraiment une vidéo un peu esprit vlog créatif où j'essaye de vous insuffler comme ça des petites idées par-ci par-là, de vous donner des bonnes astuces d'association de tissus et tout ça, qui peuvent notamment vous servir dans le cadre du challenge Good Vibes, parce que ça, honnêtement, ça rentre très bien dans le challenge Good Vibes. Donc pour celles qui ont des machines à broder, n'hésitez pas. On va certainement me demander aussi par rapport au tissu. Alors comme vous voyez, moi je les ai achetés vraiment sur planche là, j'ai vraiment du métrage. Je pense que
Je mettrai des coupons en vente, donc vérifiez bien sur le site parce que comme ça, si vraiment vous avez envie de vous faire une variante ou un June plus ou moins identique au mien avec les mêmes tissus, je vendrai 50 cm et 50 cm. Comme ça, à eux deux, ça fera 1 mètre de tissu et il y en aura assez si vous voulez vous faire des cousettes de sac. Voilà. Bon, bah, allez, je vais déjà faire mon rabat, donc je vais coudre. Déjà en premier lieu ce pan-là, je pense que je ferai un petit point d'appliqué. Et après, je viens de rajouter au-dessus mon petit liège avec un autre point d'appliqué ici. Et après, bah non, ça je le mettrai en dernier puisque ça va aussi, ça englobe la doublure, ça. Donc voilà. Et puis oui, bah, mon petit passepoil, forcément, forcément. J'ai terminé mon rabat, donc je vais vous mettre comme ça. Donc j'ai d'abord hop, cousu cette bande du fond où j'ai fait un point décoratif, celui-ci. Ensuite, j'ai rajouté mon demi-cercle en liège. J'ai refait un petit point décoratif ici. J'ai ajouté un petit passepoil. Alors, j'ai fait sobre au niveau du passepoil et j'ai utilisé mes chutes. Il me restait un petit peu un passepoil, vous voyez, marron qui fait un peu vintage. Donc, c'était pas mal. Et donc là, j'ai mis ma doublure également. Donc j'ai fait attention de bien la mettre, comme mon sac va s'ouvrir comme ça, de bien la mettre dans le bon sens. Et donc là, j'arrive au passage du petit fermoir. Donc j'ai déjà, hop, centré mon fermoir. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec la broderie, j'arrive à voir le centre. J'ai marqué au stylo friction l'emplacement. Donc voilà avec quoi je me retrouve. Et maintenant, je vais juste faire le trou au ciseau, essayer de dégarnir un petit peu pour ensuite venir mettre des petits points de colle et insérer l'extérieur, voyez, hop, de mon petit fermoir. Voilà, j'ai fait mon trou. Maintenant, je vais appliquer de la colle anti effilochage tout autour. Hop. J'espère que. Bon, c'est surtout sur la partie coton. Donc, j'hésite pas, hein. J'en mets quand même pas mal. Parce que la partie liège en soi, c'est pas ça qui va. Hop, qui va s'effilocher. Voilà. Et donc ensuite, je vais laisser un petit peu sécher. Il va falloir que je fasse les trous pour positionner mes vis. Donc en faisant une grosse pression, je remets bien mon truc. Voilà. Je vais bien presser pour marquer les emplacements et je vais me munir de ceci, hop, pour faire les trous. Alors, oh bah c'est cool, les emplacements sont tous sur le liège. Voilà. Tout de suite les petits trous repères. Je pense que pour plus de facilité, parce que quand vous voyez ça aussi, entre guillemets, ça doit être pris dans les tissus, je vais prendre ma pince, je vais prendre ma trouilloteuse. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je repère par rapport à l'épaisseur du trou ici. Je pense que je vais prendre ça. Et je vais juste repasser ici dans les trous. Hop.
Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Alors, donc, du coup, mes trous sont faits. Je repositionne mon papillon. Je remets un petit point de colle ici. Je prends hop, la deuxième pièce que je vais venir bien caler. Alors ici, ça se dépasse un petit peu. Et voilà. J'ai avancé sur la première face du devant, donc celle qui va venir sous le rabat. Vous voyez, on va faire comme ça, tac tac. Et j'ai décidé de modifier sur celui d'automne-hiver. J'avais fait une poche plaquée de mémoire, c'est comme sur le tuto du livre. Là, j'ai décidé de faire une poche zippée directement. Donc elle va venir comme ceci et j'ai fait, il me restait encore une chute, vous voyez, de liège. Donc en fait j'ai refait plus ou moins les mêmes arrondis, vous voyez que j'ai juste prolongé. Et donc voilà, j'ai mis un tout petit passepoil ici. Hop, ma doublure se présente comme ça. Voilà, avec un morceau de biais ici sur le haut. Tout ça, c'est des techniques que vous retrouvez dans mes livres ou sur plein de tutos sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller piocher. Donc là, je vais déjà fixer ma poche. Donc, je vais la coudre. Donc, j'ai fait une ligne repère, vous voyez, au stylo friction. Comme ça me permet d'être bien parallèle par rapport à mon bord supérieur. Et comme ça, ensuite, une fois que ça sera fixé à ce niveau-là, je vais pouvoir ici ajuster. Donc pour moi, au niveau de la hauteur, je vais faire tomber pile poil ici avec comment dire, le haut de ma broderie. Vous voyez, par rapport à ce bord-ci, je centrerai bien, hop. Et puis comme ça, c'est sympa parce que regardez, vous voyez, ça. Enfin, même si à mon avis, ça, on ne le verra pas du tout, puisque sur June, il y a les pinces en bas. Mais comme je le pensais, le rabat va vraiment tout recouvrir ici au niveau de June. Ça va être sympa. Bon, allez, j'avance et je reviens vous montrer juste après. Du coup, j'ai cousu donc que le haut de ma poche, puisque je dois mettre la partie mâle de mon fermoir. J'ai essayé de bien aligner. Hop. Ouais, c'est le zip qui fait ça. J'ai essayé de bien aligner. Donc, j'ai laissé à peu près, je crois, un peu plus de 2,5, 2,75 ici. Donc, j'ai mis des petites pinces pour tenir. Et donc, maintenant, je vais simplement marquer les emplacements pour positionner les deux pattes, en fait, de fixation. Je vais prendre un stylo. Donc, je vais juste l'enclencher ici. Hop. Je vais essayer de bien me mettre droite. Tac. Voilà. Bien marquer, hop, l'emplacement des petites pattes. Ça doit être bon. Je vais vérifier. Ouais, ça va. Nickel. Et donc après, je vais simplement ôter ma doublure. Comme ça, vous voyez, je prends pas la doublure ici. L'avantage d'avoir mis ici le liège, c'est que comment dire, bah, ça va me donner un peu plus de renfort. Vous savez,
Comment je vais? Bah, je vais prendre des petits ciseaux. On va essayer de hop, faire ça. Sans me tuer les doigts. Tac. Hop. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Là, comme j'avais préalablement entoilé mon coton, j'ai pas besoin de. Je vais peut-être remettre une petite chute d'un truc. Il ne me reste pas des petites chutes de. Hop. Si, je vais prendre une petite chute de suédine. Et du coup. Comme ça. Voilà. Ça va permettre de mettre un petit renfort. Tac. Tac. Et voilà. Et après, je viens mettre la petite plaque. Oh, il n'y a pas de. Oh, bah non, c'est pas le même. Hop, j'ai plus qu'à rabattre. Il y a des fois, c'est pas évident. Je vais appuyer, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, c'est mis. Voilà. Et normalement, je suis bon. Hop. Voilà. Je vais regarder par rapport à mes petits repères ici. On est bon. Donc, ça, c'est fixé. Hop. Je vais faire finir de coudre le contour de ma poche et après je passerai à la couture du dos. Alors j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Je suis allée me faire un petit thé histoire de continuer ma jolie cousette du sac jaune. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, vous la likez, vous la partagez, ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître la chaîne et aussi mon travail. Je compte sur vous. Merci. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai procédé à l'identique pour la face dos. Donc j'ai remis encore une poche zippée. On n'a jamais assez de poches zippées dans un sac, je trouve. Et puis là, j'aurai deux poches zippées sur l'extérieur. Ça va être top. Donc voilà, j'ai fait également mes petits coins. Je n'ai plus qu'à assembler le tout. Et puis au moins, mon extérieur sera fait. Au niveau des passants sur le côté, j'hésitais peut-être à changer et à mettre ce genre de choses. Alors, je crois que ça s'appelle des étriers, je ne suis pas sûre, mais je pense. Je me demande si je tenterai pas ça. Donc ça, vous le retrouvez aussi chez la mercerie des créateurs. Je vais cogiter encore un petit peu et puis je vous tiens au jus, comme on dit. Voilà, j'ai terminé l'assemblage extérieur de ce petit jaune. Donc comme je le pensais, voyez, le rabat couvre intégralement en fait le devant du sac. Donc ça lui donne un look totalement différent. Pour les attaches sur les côtés, j'ai fixé un premier côté ici pour tester un petit peu. Et je trouve ça pas mal parce que si je veux accrocher par exemple, vous savez, des petites breloques ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa aussi en décoration complémentaire sur le sac. Donc là, je vais attacher celui-là. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc, ce ne sont pas des étriers, ce sont des. Ça commence par un P. Ça y est, je me souviens plus. Bon, je vais retrouver et puis je le noterai en fait au montage. La Jen du montage vous mettra le nom directement sur la vidéo. Je vais donc commencer par ouvrir mon sac. J'ai prévu, vous voyez, de le mettre juste au-dessus du biais. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais juste me munir d'un stylo friction pour marquer vraiment les emplacements. On va essayer de bien le mettre au milieu. Hop. Donc on serait ici. C'est bon. Ici et je me mette bien et que je rate pas le truc. Voilà. Hop.
Voilà, donc j'ai juste redécalé un petit peu pour vraiment bien les centrer. Et donc là, je vais faire un trou avec cette pince-là. Hop. Donc vraiment à l'endroit. Voilà. Et ici. Enlever ça. Et après, j'ai pris des chutes. Vous voyez, j'ai pris deux petites chutes de suédine. Je vais faire pareil, je vais reporter mes trous. Tac. Tac. Voilà. Ça fera hop un petit truc en plus de sécurité. Voilà, donc je dois mettre la plaque d'abord. Je vais déjà mettre mes deux vis dans la plaque. Hop, hop. Oh, elle ne veut pas celle-là. Voilà, ensuite je vais mettre hop mes trucs de suédine. Donc comme j'ai fait des trous assez justes, je vais quand même faire un par un, ça sera peut-être plus facile. Dans le trou, toi. Je suis en train de me bousiller les ongles. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc ensuite, je vais les mettre dans ces trous-là. Tac. Voilà, comme ça ils ressortent bien. Ensuite, je vais juste faire bien correspondre ces deux trucs-là. Et j'aurai plus qu'à visser. Donc, je vais visser une fois dans un. Une fois dans l'autre, voilà, s'il veut bien. Voilà, comme ça ils sont prêts tous les deux. Et maintenant, j'ai plus qu'à terminer. Bon, c'est bien, ça vous donnera une deuxième option par rapport à la vidéo initiale de June que je vous avais proposée. Et comme ça, on aura pu voir comment poser ces fameuses attaches. Ça nous permet de sortir les tournevis pour jouer les Bricole Girls. Hop. Et voilà. Donc voilà. Mon étrier est posé. Bon, je les ai de chaque côté. Voilà. J'aurais plus qu'à mettre ensuite mes mousquetons. Et j'accrocherai certainement des trucs, vous savez, ou des plumes en effet sel ou un truc dans le genre. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, j'ai terminé ma doublure. Donc, j'ai fait une poche zippée à l'intérieur, une grande poche. Donc, toujours selon le même principe que pour mes poches d'extérieur. Et de l'autre côté, ben, j'ai rien mis du tout. On peut éventuellement prévoir une poche plaquée. J'ai laissé un trou sur le bas pour pouvoir retourner mon travail. Et maintenant, ben, je vais assembler les deux pour terminer le sac. Tadam! Et voilà, mon petit sac June Bohème est terminé. Écoutez, je suis ravie, mais ravie du résultat. Comme je l'expliquais en story sur mon compte Instagram quand j'ai confectionné ce petit June,
Le simple fait de modifier le rabat du sac, ça donne un look totalement différent. Je suis hyper contente du résultat. On voit bien ma broderie. J'ai pas encore eu le temps de rajouter mes petites plumes en effet sel sur le côté, mais ça ne saurait tarder. J'ai déjà rajouté un petit porte-clés chat, histoire d'avoir Kevinou tout le temps avec moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog créatif vous aura plu. Si j'ai le temps, je vous mettrai dans la barre d'infos éventuellement le lien sur l'article de blog pour vous donner encore plus d'astuces par écrit. Si vous souhaitez confectionner le même sac ou la même variante que moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour faire connaître mon travail. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez à fond et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !